Bonjour, je m'appelle Justine, j'ai 12 ans et je suis dans la commune de La Capelle-Lescamps. Et toi? Et alors moi je m'appelle Christiane Mathias, j'habite Reims. Voilà. Depuis quand fais-tu partie du conseil d'administration? Quelles sont tes motivations et comment définirais-tu ton engagement? Alors je fais partie du conseil d'administration depuis 2014. Mes motivations, mon engagement, c'est un échange par rapport à tout l'intergénérationnel, aux habitants de la commune. Et puis, voilà, en fait, faire aussi beaucoup d'activités et permettre à beaucoup de personnes de faire des activités. Voilà. Quelles sont les valeurs qui te parlent dans les missions d'un centre social ? Alors, les valeurs du centre social, c'est d'abord le vivre ensemble, le partage, l'intergénérationnel, puisque le centre social, ça va de la crèche aux aînés, et la solidarité. Et en fait, le centre social d'Itrac, c'est à la croisée des autres, mais on ne fait pas que croiser les autres, on partage plein de choses avec eux. Quel est ton meilleur souvenir au centre socio-culturel? As-tu une anecdote à nous raconter? Alors, j'ai fait pendant 4-5 ans les ateliers cuisine et on partageait les repas qu'on préparait et on passait de très bons moments ensemble. Et puis, la semaine dernière, ça c'est l'anecdote, on a fait le voyage à Paris et à Beauval, donc avec 15 filles ados, une dizaine de familles avec des enfants petits et des aînés. Et ça a été de très bonnes découvertes, ça a été très bien. Et en plus, j'avais ma petite fille qui faisait partie du voyage, donc c'était bien aussi. Pour finir, si tu devais donner envie de venir au centre socioculturel à des habitants de ta commune qui ne me connaissent pas, que leur dirais-tu? Ben, je leur dirais de venir découvrir cette très bonne équipe, de lutter contre l'isolement, donc faire beaucoup d'activités, des ateliers sur Reims par exemple, donc ma commune on fait des ateliers cuisine et des ateliers loisirs créatifs et il y a encore plein de places pour les dames qui veulent venir, ou les hommes d'ailleurs. Y a-t-il quelque chose que tu aurais voulu dire en arrivant que tu ne nous as pas dit? Non, donc j'ai envie de dire que vous les ados là, c'est très bien tout ce que vous faites. Moi je vous ai un peu découvert donc avec le voyage à Paris et là ce soir c'est une bonne expérience aussi. Donc merci.